Logan a 12 ans et habite Maracitron. C'est la première fois qu'il consulte un cardiologue. J'ai des problèmes pour respirer et pour faire du sport. Et après, c'est tout. Et là, c'est la première fois que tu vois un cardiologue ? Oui. Et alors, c'était comment ? C'était pas trop stressant ? Un petit peu. Qu'est-ce qui était stressant ? De venir dans la salle et de quand ils ont branché les fils. Pour la journée, un cardiologue, un infirmier et un aide-soignant du service cardiologie du CHU Nord se sont installés dans le pôle multiservice de Salazy. Ils proposent des consultations de proximité sans rendez-vous. Ils sont nombreux à venir de tout le cirque pour en profiter. Enfin, je ne connais pas Simon, qui est malade, mais il faut battre un petit carré. Faire un petit tour toujours, on ne sait jamais. C'est bien, oui, c'est bien. Pourquoi ? Mais parce que le plus près, on n'a pas besoin de rendez-vous, rien. Et tandis que d'aller bas, il faut rendez-vous, il prend le temps pour gagner. C'est un bon docteur, on a vu à la télé, c'est bien, c'est un bon cardiologue. Ben. Le cirque, comme on est loin du docteur, ben, on en profite de venir. C'est la deuxième année que le CHU délocalise ses services à Salazy. L'an dernier, 60 personnes étaient venues consulter. Des consultations qui ne sont pas destinées à des personnes déjà suivies par un cardiologue, mais plutôt des sessions de dépistage. C'est vrai, quand il y a des enfants qui ont des symptômes, qui ont une gêne, comme Logan qui était essoufflé en faisant du sport, bon, à la limite, comme on est là, c'est l'occasion de consulter, faire du dépistage. Mais après, l'enjeu, c'est faire du dépistage pour l'ensemble de la population. Alors on cible les gens qui n'ont pas de suivi cardiologique, ceux qui ont déjà un suivi cardiologique avec un cardiologue attitré, qui gardent leur suivi, enfin, il n'y a pas de problème. On pourrait faire que les urgences éventuellement. Mais après, on veut dépister la population pour dépister les pathologies cardiaques les plus fréquentes, graves, sur lesquelles on peut inverser la... on peut modifier la prise en charge pour améliorer les choses. Donc l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, dépister des valvulopathies à l'échographie. Donc ça, ce sont des choses qui, sur une consultation de 10 minutes, peuvent être très rentables. Et ça peut changer la vie des gens. D'autres consultations de proximité auront lieu le 4 octobre à Cilaos et le 5 décembre à Mafat. L'équipe de cardiologie prévoit aussi de se rendre au Brûlé, à Sainte-Rose ou encore à Dodane.